Bonjour, cette vidéo a pour but de vous présenter le montage de la sangle de cuisse pour Holster Safariland. C'est l'outil indispensable pour un dégainé d'armes fiable lorsque vous portez votre arme au ceinturon. Ce produit est disponible sur notre site en Coyote, Noir et Ranger Green. La première étape est de dévisser la vis de votre Holster Safariland. Munissez-vous de la pièce plastique et de la vis fournie dans votre colis. Alignez la pièce et vissez le tout. La pièce doit pouvoir être mobile, elle ne doit pas être trop serrée. Une fois la pièce plastique en place, effectuez le montage de la sangle. La partie élastique de la sangle doit se situer à l'avant de la cuisse, afin de permettre une ouverture et fermeture de la boucle. La partie antidérapante doit être côté cuisse. Votre sangle est bien en place. Vous pouvez désormais insérer la pièce élastique, puis la deuxième pièce plastique, en prenant bien soin d'effectuer le montage des rainures côté cuisse. Ensuite, effectuez un retour de la sangle dans la boucle en veillant à le faire côté intérieur puis extérieur. Finissez le montage du surplus de sangle en passant dans le Triglide. Puis dans la pièce élastique. Votre sangle de cuisse est maintenant montée. Mais alors, comment la régler? Pour un meilleur montage sur soi, des réglages seront nécessaires. Pour préparer votre sangle au montage, sortez la sangle de la pièce élastique, puis d'un côté de la pièce plastique. Installez la sangle sur vous en la fermant. Vous remarquez qu'un serrage est nécessaire? Serrez la sangle tant que possible. Enfin, pincez pour conserver le réglage. Puis, finissez cela. N'hésitez pas à déplacer le Triglide dans un endroit qui ne vous gênera pas en position assise. Votre sangle est prête à l'emploi.